Zone de tir agréable, ça.
Bonjour à toutes et à tous et merci à l'ESCAE et à la Chambre française de commerce et d'industrie du Maroc de personnellement de me donner cette opportunité pour cette petite aventure de 2 heures pour vivre le monde de la génération Z à côté de mes intervenants, des experts, qu'on va débrosser ensemble cette génération, on va explorer cette génération, leur mode de pensée, leurs attentes, leur rapport à l'entreprise. Et c'est un thème qui est bien évidemment dédié aux lauréats qui sont à la veille de je dirais, de rentrer dans le marché de l'emploi. C'est une thématique également qui intéresse également le monde académique, qui sont, je dirais, le cœur de la formation, le cœur de l'orientation, le cœur de, je dirais, de transmission d'un certain nombre de savoirs et de connaissances pour préparer cette jeune génération, la Z, pour pouvoir rentrer dans le monde du travail en toute sérénité. Mais surtout également, c'est cette thématique, elle est dédiée également à un monde d'entreprise qui est le réceptacle de cette jeunesse, de cette génération Z, pour pouvoir mieux profiter de son dynamisme, de son esprit ouvert, de son agilité, pour pouvoir affronter le monde de demain. Bien évidemment, nombreux sont les DRH et les managers qui sont un peu perdus face à ces générations. Ça, il faut le dire. C'est une génération avec des nouvelles attentes, avec des nouvelles aspirations, et des comportements et de nouveaux comportements dans lesquels il est nécessaire aujourd'hui à l'entreprise de procéder à un décryptage de cette nouvelle génération, un décryptage de leur comportement, de leurs particularités, pour éviter, on le sait tous, le choc culturel, on appelle dans notre commun RH, l'intergénérationnel, pour que l'entreprise puisse chercher au maximum à attirer, à fidéliser, à motiver cette génération. Aujourd'hui, cette génération va cohabiter avec deux autres générations, la génération X dont je fais partie, hein, et la génération Y, et donc pour au moins une 10 ou 15 années. Et donc, c'est vrai que la génération Y il a un peu ouvert la voie à la génération Z en transformant notre style de management, notamment la génération X, à travers un certain nombre de démarches qui ont été mises en place par un certain nombre d'entreprises, notamment dans le cadre de la démarche qualité de vie au travail, la marque employeur. Le style de management a été adapté à cette génération Y, mais malheureusement, elle reste encore le style de management classique, avec tout sa connotation et sa fondation qui est basée sur la hiérarchie, sur la commande et le contrôle. C'est des organisations cloisonnées et verticales. Et donc, la question légitime qu'on peut se poser à travers ce débat et sur lequel, avec nos éminents intervenants, nous allons essayer de répondre, eh bien évidemment, est-ce que l'arrivée de la génération Z va mettre fin à ce style de management autoritaire, hiérarchique, etc. Est-ce que cette génération va forcer la transformation des entreprises, surtout avec le renforcement de la digitalisation et l'arrivée de demain de la 5G, pas demain, mais il existe aujourd'hui la 5G, et tout ce qui va avec au niveau de transformation des métiers. On parle aujourd'hui de l'industrie 4.0 et ça va complètement chambouler nos métiers, notre façon de faire. La génération Z peut-elle se retrouver et s'épanouir dans ces modes d'organisation actuels, dans nos entreprises? Ou faut-il adapter nos modes d'organisation pour répondre aux besoins et attentes de cette génération? Et comment réussir la cohabitation de trois générations X, Y, Z, ce n'est pas abscisse, ordonnée, la côte. On est dans un espace tridimensionnel. Comment réussir la cohabitation de trois générations pour que ce cocktail puisse créer de la valeur et de la richesse et non soit source de problèmes et de conflits intergénérationnels? Pour répondre à ces questions et ces interrogations, et d'autres bien évidemment qui vont venir en fonction des débats et des exigences, et des échanges avec nos participants, que j'espère qu'ils soient très actifs et qu'ils posent, c'est le moment ou jamais, de poser toutes les questions possibles à nos intervenants via le chat de la plateforme.
Le plaisir, non, que je tiens au nom de tous les participants qui sont connectés à remercier. Et je tiens à les présenter rapidement. Donc, Madame Professeur Nada Soudi, qui est docteur en stratégie d'innovation, consultante senior et professeur chercheur à l'SKE. Elle a passé presque plus de 12 ans dans les multinationales, et non des moindres, hein, donc Procter & Gamble, Nokia et Orange. Et elle a fait également en parallèle des études doctorales pour se convertir à l'enseignement, un beau challenge et bravo. Elle est secrétaire générale de l'Observatoire et de recherche sur la responsabilité sociale des entreprises demain. Elle est marraine du Club Gini, groupe étudiant national pour l'innovation et l'entrepreneuriat au sein de l'SKE. Elle est consultante auprès des organismes nationaux et internationaux. Elle est auteure de livres Management et l'innovation, audition Armatan. Et également, elle est youtubeuse avec sa chaîne où elle donne des conseils, des formations. Donc, Madame Nada Soudi, bienvenue à notre atelier. Merci, merci, c'est gentil. J'ai le plaisir également de présenter Professeur Mouna Sbehi, grand enseignant-chercheur en management du groupe l'SKE. Mouna Sbehi est le professeur de l'enseignement supérieur au groupe SKE depuis 1996. Elle est également chef du département management et responsable de la licence fondamentale en gestion. Elle est aussi consultante co-développement en ressources humaines. Madame Sbehi, bienvenue. Merci monsieur, cher monsieur, c'est un plaisir n'est-ce pas, de vous retrouver pour cet habituel ou en tout cas ce rendez-vous annuel. Merci, Madame Sbehi. Et je souhaite la bienvenue à mon ami. On a eu l'occasion de se voir dans une autre conférence de la Commission Capital Humain. Et j'ai le plaisir encore de vous revoir, de vous recevoir dans cet atelier. Donc, c'est Amine Bouhassen, qui occupe le poste de DRH de AM à Casablanca, qui est un acteur majeur dans l'assurance des jeunes en France et à l'international. Il possède plus de 10 ans d'expérience dans le métier des ressources humaines. Et il a décroché en 2020 un master exécutif en leadership et projets innovants à Centrale Supélec. Il est également membre très actif à la Chambre française de commerce et d'industrie du Maroc. Il est aussi cofondateur du think tank Initiative pour la communauté économique du Maghreb qu'il préside actuellement. C'est un grand sportif, hein, c'est un grand sportif. Il est marathonien, ceinture noire de judo, randonneur et la cerise. Et bienvenue, c'est Amine. Alors, Merci, Kamel. je n'ai pas entendu la cerise sur le gâteau, c'était quoi? Elle Ça est buguait. chroniqueur radio. Ah, chroniqueur radio, ah, super. Je me disais bien qu'il en avait le look. Bienvenue, c'est Merci. Amine. Bien, Merci à pour vous. planter le décor, je pense que la question, je dirais, fondamentale que tout le monde se pose, c'est sa génération Z. C'est quoi sa génération Z? Quelle est sa caractéristique? Madame Nada Soudi, si vous pourriez un peu nous éclairer et nous planter les décors pour découvrir ensemble et explorer sa génération Z. Très bien. Donc, je vous remercie pour cette présentation. Donc, tout d'abord, c'est quoi cette génération Z? Cette génération Z, elle qualifie la génération des personnes qui sont nées entre 1997 et 2010. Maintenant, bien évidemment, c'est tout à fait subjectif parce qu'on peut avoir des moments de transition entre les générations. Juste avant la génération Z, il y avait la génération Y. La prochaine génération qui est née après 2010, c'est la génération Alpha. Donc, cette génération, elle est rompue à la nouvelle technologie. Ça veut dire, quand elle est née, il y avait déjà la technologie, l'informatique, l'Internet qui étaient déjà préétablis et qui étaient déjà acceptés dans la société. C'est une génération qui a tendance à tout googler. C'est une génération qui est très ouverte d'esprit. Et c'est des utopistes qui ont besoin de plus en plus de challenges. Pourquoi des utopistes qui ont besoin de challenge? Parce qu'aujourd'hui, ils ont développé de nouveaux comportements qui sont facilités par rapport aux générations antérieures. Nous, quand on devait rechercher une information, peut-être qu'on était obligé de partir vers une bibliothèque, de faire beaucoup de lectures. Aujourd'hui, l'information est à disposition. Donc, d'abord, l'information, elle est disponible et il y a un accès qui est permanent à l'information. C'est une génération qui tolère l'erreur,
parce qu'elle a un rapport décomplexé avec l'erreur, puisque aujourd'hui, avec tout ce qui est gamification, avec tout ce qui est comportement en ligne, donc il y a toujours une conduite du changement qui se fait, il y a toujours une amélioration continue, et donc par rapport à la génération antérieure, aux générations antérieures, elle est décomplexée par rapport aux erreurs. Et il a bien évidemment une ouverture d'esprit qui permet d'accepter beaucoup de choses beaucoup plus facilement que les générations antérieures. Donc, pour ces générations, mobile est une extension de leur corps. Ça veut dire avoir un téléphone, si on oublie un téléphone à la maison, ça veut dire qu'on a oublié une partie de nous. Donc, le téléphone, il est considéré comme une extension de ce qu'ils sont. Et ils sont plutôt dans la culture du zapping. Pourquoi? Parce que cette génération-là, elle a l'information qui est à disposition, que ce soit sur Internet, sur les réseaux sociaux, et donc elle est en train de zapper ou de virevolter d'une information vers l'autre. Maintenant, figurez-vous qu'avec des études, on s'est rendu compte que lorsque le sujet intéresse la génération, le maximum de temps qu'ils peuvent passer sur un même sujet est de 12 minutes. Donc, comment approcher cette nouvelle génération qui a autant de qualificatifs? Est-ce qu'aujourd'hui, si on la met avec l'ancienne, est-ce qu'il n'y aurait pas des gaps, comme vous avez dit, générationnels? Je pense que la question est à débattre. Merci, merci, professeur Soudi. Et donc, c'est une génération, comme vous l'avez bien souligné, qui est rompue à la nouvelle, aux nouvelles technologies, tout Google, très ouvert d'esprit. C'est une génération qui a besoin de challenge, c'est une génération qui tolère l'erreur, donc elle est décomplexée par rapport à l'erreur, contrairement à notre génération, donc entre guillemets. C'est une génération zapping, qui zappe rapidement, et moi ce qui me surprend, c'est que le sujet, si un sujet les intéresse, cette génération reste maximum 12 minutes, quid de l'entreprise? Donc, on va en débattre. Merci beaucoup, professeur Nada. Professeur Sbehi, vous avez fait beaucoup de recherches sur la génération Z et vous êtes une des grandes experts de la matière. Quelle est la relation de la génération Z au diplôme, à la formation? Est-ce qu'elles sont comme nous, en génération X, on est à la recherche des diplômes, d'être ingénieur, doctorat, aller au bout de nos études, ou ils sont, je dirais, zappés? Les études, aller vers les diplômes le plus facile, le plus simple. Quelle est votre lecture par rapport à ça? Alors d'abord, j'adore quand vous dites que j'ai une grande expérience, une expertise dans ce domaine. Effectivement, j'ai élevé des enfants Z, puisque ma fille en est une génération Z. Autour de moi, il y a beaucoup de Z, et nos étudiants actuellement en font partie. Alors, le rapport de la génération Z par rapport à l'employabilité, par rapport à la... Alors, il y a en fait plusieurs relations, celle déjà au savoir, puis à l'emploi, qui sont liées, c'est-à-dire que, Nada l'a dit tout à l'heure, effectivement, c'est une génération qui va googler, qui va chercher. Donc, le savoir, elle en a à foison. Elle sait qu'il est disponible. Donc, elle attend moins de savoir que de partage de savoir. Vous voyez? Et c'est ça la différence, c'est-à-dire en contenu, en quantité, il y en a. Maintenant, c'est que partager et faire le tri dans ce qu'il y a à partager. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et si vous voulez, on conçoit et on constate que ça a un impact aussi sur leur perception de l'entreprise. C'est-à-dire que par rapport au marché de l'emploi de la génération X, qui était quand même beaucoup plus restreint, si je vais dans le cas du Maroc, hein, n'est-ce pas, aujourd'hui, ils ont beaucoup plus de secteurs, enfin en tout cas le bassin d'emploi est plus développé en termes d'opportunités, de secteurs d'activité, etc. Même par rapport à l'entrepreneuriat, n'est-ce pas, qui représente aujourd'hui aussi une perspective pour eux, ben, ils n'ont pas, ou plutôt ils ont cette curiosité déjà de comprendre, mais ils ont, comme elle a dit Nada tout à l'heure, un rapport décomplexé, oui, par rapport à l'erreur, mais aussi par rapport au choix, par rapport à la possibilité de dire non à un environnement qui ne les satisfait pas, qui ne leur plaît pas, qui ne les séduit pas. Contrairement à leurs aînés qui étaient dans une recherche de sécurité, la génération Z, ils sont dans une recherche de séduction. Ils ont besoin d'être séduits par l'entreprise. Ils ont
besoin d'être séduits par l'environnement de l'entreprise et ils sont prêts à patienter, ils sont prêts à prendre leur temps et ils sont prêts à faire l'expérience et à quitter. C'est-à-dire qu'on fait, oui, c'est du zapping, c'est-à-dire après 6 mois, si ça ne convient pas, je n'ai pas de problème pour quitter. C'est leur état d'esprit aujourd'hui, c'est ce qui les caractérise le mieux et qui en fait une force pour justement défier l'entreprise, hein, pour qu'elle soit plus, que l'entreprise soit plus réactive par rapport à cette niche et qu'elle soit aussi plus attractive, hein, que ce que leurs aînés acceptaient ou ce à quoi ils se résignaient auparavant, et bien que l'entreprise soit amenée à comprendre qu'il est temps pour elle de faire des efforts pour offrir un cadre plus attractif, plus bienveillant et être dans le partage et le co-développement. C'est pour ça que je parle de co-développement tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans une logique de relève, mais de co-développement. C'est-à-dire qu'auparavant, effectivement, il y avait une espèce de cloisonnement entre les métiers d'ingénieur, les métiers de manager, les métiers de technicien, etc. Aujourd'hui, et ça a commencé peut-être avec un peu les... Certainement pas qu'un peu, ça a commencé avec la génération X qui, eux, ont eu droit à ce qu'on appelle le mode management par projet. Eux, évidemment, prennent la relève, ou en tout cas, vont développer ce type d'approche, mais avec un esprit de co-développement. C'est-à-dire qu'ils refusent d'être cloisonnés. Tu es manager et tu ne peux pas être autre chose. D'ailleurs, on s'en rend compte aujourd'hui, si pendant longtemps, et j'ai échangé avec mes étudiants à ce sujet-là, pour eux, pour être dans une start-up, pour être dans un métier digital, etc., il fallait être d'abord ingénieur pour comprendre les data science, etc., et parler de transformation que si on avait des compétences d'ingénieur. Aujourd'hui, on se rend compte que, bah, en fait, on peut apprendre ces métiers-là sur le terrain. En fait, les choses s'apprennent sur le terrain. Et donc, l'entreprise doit évoluer vers l'apprentissage, être une entreprise apprenante et non une entreprise seulement qui se base sur la qualification. Vous dites, voilà, vous êtes apte. Et ça rejoint ce que disait Nada tout à l'heure par rapport au zapping. Mais c'est un zapping qui est réfléchi, qui est raisonné, qui est rationnel. Ce n'est pas un zapping parce que par lassitude ou par dégoût ou par comme en fait... je veux dire, moi aussi, allez hop, je suis une génération zapping, j'ai connu la télécommande. C'est pas ça. Pour eux, c'est vraiment dans leur esprit, dire oui, ben, ça, je peux mettre de côté comme ça, je peux faire comme ci, et je n'ai pas de mal à envisager la mobilité et à envisager la prise de risque. Et c'est en ça que cette génération est extraordinaire. Alors, il y a deux ouvrages qui sont formidables, qui ont été faits par un de mes professeurs, sociologue, philosophe, qui a été un avant-gardiste, qui s'appelle Michel Serres, et qui a écrit un premier ouvrage qui s'appelle « C'était mieux avant ». Pour évidemment démystifier tout ça. Et son dernier ouvrage, qui a été d'ailleurs publié juste avant son décès, il y a une année de ça, un peu plus d'une année, qui s'appelle « La petite poussette », et qui a décrit formidablement cette génération de la petite poussette, c'est-à-dire qui n'utilise que son pouce pour communiquer, et qui... est passé en fait d'un mode oral, audio, à un mode écrit. Hein, pour l'anecdote, je me suis arraché les cheveux au début parce que je ne comprenais pas, j'appelais ma fille, elle ne me répondait pas, mais elle m'écrit par SMS, parlez ici. Et j'ai adoré ce parler ici. J'aurais été un moment à me poser la question, à me dire, mais c'est quoi ce parler ici? C'est antinomique, parler pour moi, c'est utiliser le langage. Mais parler ici dans un SMS, cette fois, ça arrachait les cheveux. Mmh. Et donc, s'adapte. Et je pense que les défis pour l'entreprise, ça va être de s'adapter, eux, à accueillir cette nouvelle génération. Et à leurs aînés, de vraiment développer un mode de management qui soit relationnel, qui soit beaucoup plus... Je passe pas seulement dans la bienveillance, mais vraiment, effectivement, ça nous oblige aujourd'hui, et je pense qu'il y a beaucoup d'études actuellement qui se font dans ce sens, notamment dans la recherche-intervention, où commence à regarder, mais à peine du bout de la lucarne, cette génération Z, parce qu'ils ne sont pas encore réellement sur le marché d'emploi. Hein, ce sont, ils vont venir. Les 2016, c'est exactement, ce sont les 96-2016,
D'accord. Mais ce sont effectivement les 2002, 2003, pardon, 2000, 2003, qui sont les stagiaires de demain. Ils commencent à peine à être stagiaires. Et ils commencent, ils arrivent, et pour l'instant, ils sont au niveau de stagiaires. Donc, on ne les a pas encore vraiment expérimentés jusqu'au bout pour en tirer des conclusions. On est en train de découvrir. Mais madame, oui. Est-ce que, par rapport à ce que vous dites, est-ce que l'entreprise aujourd'hui, et on sait toute la lourdeur organisationnelle qui existe aujourd'hui, est-ce qu'il doit craindre cette génération? Est-ce qu'il doit avoir peur de cette génération, si je peux pousser le raisonnement plus loin? Parce oui. que c'est complètement antinomique. Il y a d'un côté la génération Z avec cet esprit d'ouverture, cet esprit de zapping, cet esprit d'entrepreneuriat, cet esprit d'agilité, et de l'autre côté, une organisation hiérarchique, hermétique, horizontale. Oui, oui, effectivement, vous avez raison. C'est-à-dire que, alors, plutôt que la peur, moi, je dirais qu'elle doit être enchantée. D'accord. C'est-à-dire que cette génération, ça va être une génération d'enchantement. Parce que cette génération, avec toutes les crises qu'elle traverse, puisqu'elle est née dans la crise déjà. Ouais. Elle a toujours, enfin, aussi quand je suis née, mes parents, j'entendais dire autour de moi que c'était la crise de tout le temps. On a toujours entendu que c'était la crise. Hein. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu des événements majeurs qui ont fait qu'on a beaucoup plus mis les crises en avant, et pour des raisons politiques et médiatiques, etc. Maintenant, cette génération, effectivement, elle a la chance d'être consciente qu'elle est née dans la crise et que la crise fait partie, des, je dirais, à la fois de la réalité de l'environnement, mais de ce qui va la mettre au défi. Et l'entreprise aujourd'hui est face à ce défi d'intégrer ces jeunes, mais je disais tout à l'heure qu'ils sont une opportunité pour elle, parce qu'ils ont justement cette capacité d'abord à travailler de chez eux, et cette crise qu'on vit actuellement les met à l'épreuve, hein, n'est-ce pas ? Ceux qui font le plus de burn-out, c'est plutôt la génération Y, n'est-ce pas ? Donc, et cette génération Z, elle s'adapte et elle nous donne de formidables leçons, effectivement, en termes de management. Je pense que tous les codes de management vont être obsolètes aujourd'hui. Mmh. C'est-à-dire qu'on ne sera plus dans cette relation hiérarchique, mais ce qu'ils attendent, eux, du management, et ça, pour en avoir partagé et pour travailler dans une équipe de recherche avec Sciences Po Paris actuellement, effectivement, le management tel que cette génération le perçoit, le préconise et en tout cas l'exige, c'est un management disponible. Déjà, règle numéro un. Disponible, à l'écoute et dans le partage. Et non pas dans le commandement ou dans l'autorité ou dans le paternalisme. C'est-à-dire que disponible pour partager, pour écouter, et disponible aussi pour faire grandir et pour apprendre de cette génération. C'est ça qui est formidable. Parce que eux, je pense que cette génération, elle va vraiment enfin définir ce qu'on appelle l'entreprise apprenante. Parce qu'on en a beaucoup entendu parler ces derniers Tout temps. À fait. Mais on ne savait pas ce que c'était. Et l'entreprise agile. Exactement. Et là, ça y est. Ils vont dire à l'entreprise, ben voilà, vous vouliez être une entreprise, vous avez anticipé, c'est formidable, et ben maintenant, on y est. Voilà. Merci Madame Sbehi. C'est Amine, vous avez écouté professeur Sbehi, vous avez écouté professeur Soudi sur cette génération. Comment, d'après vous, vous représentez l'entreprise, donc vous êtes DRH de l'entreprise Hemi, c'est bien ça, je l'ai bien prononcé aujourd'hui. Hemi, toujours la même chose, je m'excuse. L'entreprise Hemi, quelles sont les caractéristiques, d'après vous, de la génération Z en tant qu'entreprise? Et j'aimerais bien aussi avoir votre retour par rapport à ce qui vient d'être dit par nos chers éminents professeurs. Alors, avant de répondre à la question, effectivement, je prenais des notes hein, parce que je suis toujours curieux et très intéressé lorsque des experts parlent. Et là, pour le coup, j'ai appris beaucoup de choses sur un volet théorique, un volet littérature. J'ai noté l'ouverture d'esprit, j'ai noté des utopistes qui veulent plus de challenge. Et là, honnêtement, je me suis un peu rajeuni parce que je me suis identifié dans cette qualification. Donc, vous ne direz rien, n'est-ce pas ? J'ai noté également une tolérance vis-à-vis de l'erreur. Alors là, j'aurais peut-être un regard plus nuancé en tant qu'employeur, mais on va y revenir. Également, lorsque Mme Mounia est intervenue, elle a cité donc deux ouvrages, C'était mieux avant et La petite poussette, avec
des références également sur le terrain avec du management. Et aussi, surtout que ce sont des générations qui ont connu que la crise. Et effectivement, la crise, si on fait 97 à 2000, à 2010, par exemple, ou 2011, pour simplifier, puisque la génération Z, vous l'avez balisé là-dessus, entre 97 et 2010, honnêtement, ça peut aller très vite, hein. On a 97 crise financière, 2008 crise financière, 2001 le World Trade Center, 2003 l'Irak, 2010 ce qu'on appelle à tort, à mon avis, le printemps arabe, etc., etc. Donc oui, effectivement, on était dans un monde extrêmement frappé par des crises, par un monde qu'on appelle VUCA, hein, de manière très simple, c'est de mémoire, c'est vulnérable, incertain, complexe, ambigu. On a récemment, mais bon, on est dans la continuité, hein, Z ou Alpha, parce que je pense que l'enjeu pour les entreprises aujourd'hui n'est pas de s'arrêter uniquement sur la génération Z, Bien mais de sûr. se dire qu'est-ce qui va se passer et comment on doit anticiper et en même temps s'adapter, parce qu'on ne peut pas aller plus vite que la musique, hélas, mais ça On va serait bien revenir. de s'y préparer. Et aussi la révolution numérique. Donc, effectivement, ils sont nés avec la prolongation de leur corps. J'ai beaucoup aimé cette expression-là. Certains appellent ça le sixième doigt, il me semble. Donc, oui, ou le 200e os, parce que le corps humain en a 206, d'après mes recherches. Donc, effectivement, on est dans une génération qui est connectée, mais qui a des inquiétudes, puisque 80% des emplois de 2030 n'existent pas encore. Et là, qu'on soit génération Z, X, Y, V, ce que vous voulez, ça reste une inquiétude réelle. Après, bon, qui s'en contentent, qui se disent, moi, de toute façon, j'attends que l'orage passe. OK, mais je pense qu'il y a une vraie inquiétude là-dessus. Ensuite, nous savons aujourd'hui, à l'instant T, et là, ça concerne peut-être plus les générations Y, mais les générations Z vont hériter également de cette inquiétude. 4 salariés sur 10, et là, je vous donne des statistiques que je récupère depuis le marché français, mais on peut adapter ça sur d'autres marchés de proximité. 4 salariés sur 10 sont inquiets de la robotisation de leur emploi. C'est une évidence. Donc, sachant que la génération Z, à l'heure actuelle, sur le volet global, parce que j'ai envie qu'on prenne de la hauteur, puisque c'est un peu la caractéristique des Z, c'est qu'ils sont très ouverts à l'international, ils maîtrisent plusieurs langues, c'est qu'ils représentent aujourd'hui 32% de la population mondiale. Donc ça, c'est un vrai facteur pour les entreprises. Et on va se dire, tiens, mais comment on réagit? Alors, sur le volet professionnel, moi, lorsque je suis confronté à des Z ou à d'autres, honnêtement, la première des choses, le premier réflexe que je vais avoir, c'est non pas me dire il est de quelle génération et tomber dans des a priori, mais de me dire tiens, il est né en 97 ou après. Je vais être vigilant par rapport à ce point-là. Et par exemple, sur l'acceptation de l'erreur. Moi, j'ai remarqué, et c'est à travers les entretiens au niveau de notre entreprise, Amy, qui œuvre dans les assurances et dans l'ITO aussi, on a des développeurs web, qui sont pour le coup un profil aussi encore plus spécial que les autres profils. J'ai remarqué que autant vis-à-vis de l'erreur par rapport à du gaming, par rapport à du développement, il y a une certaine aisance, mais j'ai remarqué des difficultés au niveau des interactions sociales. Ce qui veut dire que j'ai l'impression, hein, c'est juste une impression que je donne, hein, mon avis n'est pas forcément une vraie théorie, mais c'est que j'ai l'impression que les nouvelles générations ont du mal à se remettre en question lorsqu'il y a des interactions sociales. Et par conséquent, vont adapter un profil qu'elles auraient sur Facebook en disant ben, je te supprime, tu n'es plus mon ami, sur le volet professionnel en disant c'est bon, je ne te parle plus, je te boude, ou alors je tourne la page, je tourne le dos, je démissionne, etc. Et ça, si vous voulez, je pense qu'il y a un vrai enjeu. Il faudrait qu'on arrive, dans la mesure du possible, nous en tant qu'acteurs de la société civile et aussi professionnels, à reconnecter cette génération, si on peut dire ça comme ça, si vous me suivez dans mon analyse, avec le monde de l'interaction sociale, avec le monde du sport en plein air, et non pas du sport en visioconférence, avec le monde de la littérature aussi. La littérature, moi je suis de l'ancienne école, j'adore l'odeur du papier, j'ai l'impression de ressentir un peu les émotions de l'auteur. Il faut un peu de concret, il faut un peu revenir à notre source qui est la terre, pour pouvoir ensuite nous développer. Et pour résumer ça, il faut de l'ancrage, il faut se recentrer avant de se déployer. Et alors, c'est la transition toute faite, hein, pour aller vers le management. Je pense que les générations Z sont une source d'accélération de la transformation de l'entreprise. C'est évident. Avant, nous étions éventuellement, quand je dis nous, pour schématiser, peut-être sur un management un peu hiérarchique, autoritaire, très procédural, etc. Et progressivement, nous allons vers un management beaucoup plus fluide qui laisse l'espace à la créativité. Parce que les générations Z ont une notion avec le temps et l'espace qui est totalement différente.
c'est tout tout de suite, dans la caricature, bien entendu, et c'est rien n'est impossible. Donc forcément, nous, en tant qu'employeurs, nous devons être, et je reprends votre expression, hein, agile, avoir du leadership, partager la connaissance et non pas la garder pour soi, c'est évident. Mais j'ai envie de vous dire aussi, et je conclurai là-dessus, il faut qu'on apprenne à nos générations Z, non pas à résoudre un problème, mais à poser un problème. Et lorsqu'on a fait ça, je pense qu'on a fait un grand pas en avant pour toutes les générations qui viendront. Merci, merci Céamine. Vous avez parlé de difficultés des interactions sociales. Malheureusement, avec la pandémie de la COVID-19, ça n'a pas arrangé les choses, ça nous a encore éloignés. heureusement, cette interaction sociale, on la vit à travers les espaces collaboratifs, les espaces visio comme on est en train de faire aujourd'hui. J'ai une question, donc en même temps, pour l'interaction, on a des interactions avec nos étudiants. Et la génération Z, et j'ai une question de Nadia. Est-ce que ces caractéristiques de la génération Z que vous avez annoncées sont un atout pour construire une bonne carrière ou doivent être complétées par d'autres caractéristiques? Madame Sbehi, si vous pourriez réagir. Alors, quand on parle de ces caractéristiques qui ont été citées, c'est-à-dire celles qui décrivent la génération Z, alors un atout pour une bonne carrière, déjà, faut définir, faut être que le jeune soit capable et en mesure de définir son choix ou son projet professionnel. Déjà, est-ce qu'il est en mesure de le faire? Est-ce qu'un jeune aujourd'hui en est capable? Je sais qu'en échangeant avec beaucoup de jeunes, ça fait partie justement des caractéristiques de la génération Z. Ils assument de ne pas savoir ce qu'ils ont envie de faire aujourd'hui. De ne pas être prêts pour dire oui, je veux être ceci ou je veux être cela. Même encore pour les bacheliers l'année dernière, on posait la question. Bon, dans les choix qu'ils ont faits, ce sont des choix classiques et traditionnels d'aller vers la médecine, vers la prépa, vers un peu les influences familiales. Ils sont encore sous l'influence familiale, il faut le reconnaître. Mais quand on leur parle séparément, ils sont capables de dire « je ne sais pas ». Comment voulez-vous que je sache? C'est-à-dire qu'ils sont moins dans cette culpabilité que l'étaient leurs aînés, où ils avaient un intérêt, entre guillemets, à savoir ce qu'ils avaient envie de faire. Parce que sinon, c'était « t'as pas été à l'école, t'as rien appris ». Et donc, par rapport à leur choix ou à leur carrière, effectivement, je ne suis pas devin, mais la crise est là et ils ont raison de s'inquiéter du devenir déjà de l'emploi, des méthodes de travail, de ce qu'on attend d'eux, et les caractéristiques qui les définissent vont aussi influencer les job descriptions, c'est-à-dire les fiches de poste, etc. Je pense que oui, il va y avoir un gros boulot pour les RH à ce niveau-là. Je pense que notre ami pourra le confirmer en tant que DRH, c'est-à-dire qu'il va falloir repenser tout ça pour, encore une fois, comme je disais, faire en sorte que l'entreprise soit attractive. C'est ça le plus important. Eux, ils sont capables de donner, mais qu'est-ce qu'on a à leur offrir? Justement, ça nous ramène à la question pour le professeur Soudi à travers l'innovation managériale pour pouvoir, je dirais, s'adapter ou transformer sur le mode de management de l'entreprise actuelle à cette génération qui va venir, qui est à la porte des entreprises aujourd'hui. Quelles sont les typologies, comment on doit opérer l'innovation managériale pour pouvoir être, je dirais, au diapason de sa génération? Très bien. Donc déjà, par rapport à cette génération, il faut dire qu'avant, nous sommes arrivés à un constat qui est presque vérifié pour tous les pays. C'est que le modèle du salariat, tel qu'on l'a toujours conçu, est un modèle qui est arrivé à maturité. Je m'explique. Ça veut dire le fait de rentrer, d'avoir le même emploi pendant 30 ans de carrière et de ressortir de la même entreprise est un modèle qui n'est plus viable, qui n'est plus accepté. Est-ce que ça veut dire que ça met en cause le principe de loyauté, le principe de fidélité de salarié, enfin de sa génération vis-à-vis de l'entreprise? Et comme vous l'avez bien souligné tout à l'heure, c'est que sa génération, il ne peut pas rester 12 minutes par rapport à quelque chose qui l'intéresse. Est-ce que si on extrapole
ce concept à l'entreprise. Est-ce que ça veut dire que sa génération, il faut qu'on le mette dans notre principe de fonctionnement, à ce qu'ils vont venir une année, 2 ans, puis ils vont s'appeler l'entreprise? En fait, tout comme les employés de demain sont en train de changer, les entreprises sont en train de changer. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus concevoir une entreprise qui est hiérarchique, qui offre le même produit et qui est en train de concurrencer des entreprises qui sont semblables. La preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, avec l'ubérisation des économies, avec les modèles freemium, les modèles d'abonnement, en fait, tout ce qui est nouveau business model, on remarque que l'entreprise elle-même doit d'abord s'adapter et que finalement, ces employés qui vont venir, ils vont déjà être rompus à ce nouveau mode d'adaptation. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que Airbnb n'est pas une entreprise à succès, alors qu'en 2018, elle a excédé le chiffre d'affaires de l'hôtellerie mondiale. Aujourd'hui, si on prend Facebook en 2017 déjà, il a plombé le PIB français, qui est l'un des pays les plus riches. Et donc là, on se demande, ce n'est pas uniquement les jeunes qui changent, c'est le monde économique, c'est les entreprises qui changent. En fait, le changement, il touche à tout. Si vous dites que demain, 30% des emplois n'existent plus, ben figurez-vous qu'on a vécu exactement la même situation du temps de David Ricardo, où il avait parlé du chômage technologique. Pourquoi? Parce que dans le temps des modernes, il y avait des machines qui devaient s'installer et on se disait que ces machines vont finalement prendre la place des hommes et qu'ils vont remplacer les hommes et que ces hommes ne trouveront plus d'emploi. Cette même réflexion, elle avait été reprise par Sismondi et par Karl Marx dans son livre Le Capital, qui est un livre référence. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on remarque des décennies après ce constat-là? C'est que l'homme s'adapte, c'est que l'économie évolue. Ça veut dire qu'on ne peut pas dire aujourd'hui, oups, l'intelligence artificielle va prendre nos emplois. Oui, mais c'est à nous de s'adapter, c'est à nous d'upgrader les profils. Aujourd'hui, dans une entreprise, ce n'est plus pour autant le diplôme que vous avez. Ça peut vous donner un premier pas. Mais croyez-moi, si vous n'avez pas les compétences, ben le diplôme, ça va rester un papier. Aujourd'hui, on privilégie les compétences sur les diplômes et les certifications. Aujourd'hui, il y a une tendance d'avoir de plus en plus de freelancers qui sont basés sur les compétences. On peut avoir des jobs en ligne, faire du dropshipping et faire sa propre entreprise. C'est-à-dire aujourd'hui, la digitalisation et le changement économique ont changé et les emplois et le poste de travail. Effectivement, à terme, il n'y aura plus les mêmes emplois, mais ça serait des emplois qui sont encore plus axés sur les compétences. Et là, je cite un livre qui est très important et très enrichissant de Stéphane Mallard, « Disruption ». Ou encore les YouTube de Cédric Villani, qui est le prix Nobel de français et de mathématiques. On ne dit pas prix Nobel, en fait, qui a eu le prix mathématiques, qui est le consultant en intelligence artificielle en France. Il est juste épatant et passionnant et il montre comment les métiers vont évoluer. Maintenant, par rapport au point de Amine, par rapport à des personnes qui sont fermées, ben, c'est ça, on a hérité ça de ces réseaux sociaux. Parce que bien qu'ils soient sociaux et qu'ils se proclament être communautaires, finalement, c'est des communautés virtuelles. Ça veut dire que ces gens avec qui on parle, on ne sait même pas s'ils existent ou s'ils n'existent pas. On ne sait pas s'ils disent la vérité ou ils ne le disent pas. On ne sait pas si c'est des robots d'abord ou si c'est des personnes. Et donc, finalement, ce n'est pas tellement communautaire que ça, parce que c'est une communauté virtuelle qui est différente d'une personne à l'autre. On peut être assis l'un à côté de l'autre et on n'a pas du tout la même interface, parce qu'elle est adaptée à chaque personne. Et donc, ce cloisonnement, justement, doit être ouvert par l'interaction humaine. Et c'est ça le rôle des générations antérieures, c'est être dans l'empathie, être dans la bienveillance et essayer de développer ce décloisonnement avec ces générations-là. Mais ça veut dire que la génération antérieure doit être sensibilisée à la génération Z, quoi. Sinon, la cohabitation et la collaboration va se passer très, très mal. Par ailleurs, est-ce que, par rapport à ce que vous dites tout à l'heure sur les freelancers, est-ce qu'on peut imaginer que demain, le CDI, c'est la fin du CDI, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus dans une démarche de contrats à durée déterminée, de contrats d'intérim, parce qu'ils vont se sentir un peu libres, quoi?
Je vais vous dire pire que ça. Aujourd'hui, il y a un mouvement. Je vais vous dire pire que ça. Et en fait, c'est épatant. Et je vous dis que malheureusement, j'en veux à cette vision-là. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le frugalisme. En fait, c'est quoi le frugalisme? C'est un mouvement aux États-Unis qui est très répandu en Europe et qui prend beaucoup, beaucoup d'espace. En fait, c'est des jeunes qui se disent, on va travailler très, très dur jusqu'à l'âge de 40 ans. Après, on va prendre notre retraite. On ne veut pas être riche, mais on veut vivre notre vie. Ça veut dire qu'on ne veut pas être dans une entreprise jusqu'à l'âge de 65 ans. Et aujourd'hui, on parle de 70 ans pour cette génération, pour qu'à la fin, à 70 ans, automatiquement, on est des personnes malades. Elle est où passer notre vie? Ils sont même en train de percevoir justement un contrat de 30 ans et de 35 ans de travail comme une atteinte à la liberté personnelle. Ils préfèrent être libres, travailler librement et pouvoir profiter de la vie en parallèle, ce qui n'était pas la vision d'avant. Parce que la vision d'avant, c'est qu'au contraire, on percevait le fait de travailler dans une même entreprise jusqu'à l'âge de 65 ans comme une sécurité. Alors que cette génération-là, non, elle perçoit qu'à 65 ans, on n'a plus grand-chose à faire. On ne peut plus voyager, on ne peut plus faire toutes les choses qu'on veut. Et là, c'est un mouvement qui se développe beaucoup aux États-Unis, en Europe. Ça s'appelle le frugalisme. Il y a beaucoup de vidéos sur ça, où les gens, carrément, ils essayent de travailler très, très dur au début de leur vie, d'avoir des métiers qui sont des métiers de passion, ça veut dire faire des choses qu'ils aiment, et de pouvoir vivre amplement à l'âge de 40-45 ans. Oui, si je peux me permettre, là, j'adore vous parler de la génération Y. C'est-à-dire, en fait, c'est ceux qui travaillent dans les grandes banques d'affaires, qui ont des gros bonus et qui font de l'investissement immobilier et qui, par la suite, évidemment, espèrent vivre de leur rente à partir de 40 ans. Et c'est vrai, tu as raison, ce profil-là existe. D'accord? Mais aujourd'hui, pour la génération Z, peut-être que la vision, elle est différente. C'est-à-dire qu'en tout cas, je sais qu'à notre niveau, on n'a pas encore le recul nécessaire pour dire voilà, ça sera comme ça ou pas, ou comme si. On ne peut que émettre des hypothèses. Et ça, c'est une tendance. Bien sûr, mais c'est une tendance des Y. Je suis d'accord avec toi. La génération Y, elle est comme ça. D'accord? Et même la X. Hein. Et puis, évidemment, on en connaît pas mal autour de nous. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur ça. Effectivement, c'est une génération qui aujourd'hui a 30 ans et qui bosse très dur pour s'assurer une retraite de rentier. D'accord? Ça, c'est ce que tu dis est vérifié, effectivement, statistiquement. Et c'est la grosse tendance, notamment, des profils des grandes écoles d'ingénieurs et de commerce. Pour les aides, de ce que j'ai compris, de ce que j'ai lu, effectivement, dans des études assez récentes faites par des psychologues et des sociologues, c'est qu'eux, ils sont prêts à gagner moins, mais pour vivre mieux. C'est-à-dire que ce dont tu parles, à savoir prendre du bon temps, eux, ils n'ont pas envie d'attendre 40 ans pour le prendre. Ils veulent le prendre maintenant. Et c'est en ça que c'est différent. Oui. C'est tout de suite. C'est-à-dire qu'eux, ils ne sont pas prêts à... mettre en jeu, voilà, leur liberté, même à moitié, ils préfèrent s'assurer les deux. Et c'est ça qui est génial et qui est intéressant par rapport à ces profils. C'est ce que disait Amit tout à l'heure, c'est que c'est une narration qui n'a pas notion ni de temps ni d'espace, elle veut tout de suite. Hein. C'est bien ça, Amit. On ne vous entend pas, c'est Amine. Je disais oui, dans l'ensemble, on peut le résumer, mais je disais bien que c'était une caricature, parce que dans la génération Z, il y a des profils différents. Mais effectivement, je rejoins la dernière intervention de Mounia, me semble-t-il, où il disait qu'ils ne vont pas attendre 40 ans ou 50 ans pour pouvoir commencer à se déployer dans leur vie, dans leur émancipation personnelle, mais c'est de le faire en parallèle avec une priorisation, et là, c'est là où on a une bascule, de leur vie. Au détriment, si on peut appeler ça comme ça, de leur vie professionnelle. La vie d'abord, le travail ensuite. C'est
Mais justement, c'est Amine, et là, je me permets de rebondir sur une question extrêmement importante. Face à ces caractéristiques qui ont été évoquées par Madame Sbehe et Madame Soudi, quelle approche et quelle démarche, quel outil l'employeur doit mettre en place pour attirer cette génération Z, mais surtout pour les fidéliser, sachant, ça a été dit, c'est une génération Z, c'est Zappé. Donc, quels sont les secrets, quelles sont les démarches, les outils, hein? Alors, je pense qu'il n'y a pas de recette miracle qu'on peut déployer en un claquement des doigts. Nous, on a essayé de le faire depuis 2-3 ans. Au sein de Hemi, il faut savoir, pour situer le contexte, hein, on est une entreprise où nous avons plusieurs casquettes. On est le leader de l'assurance des jeunes en France, donc on est en offshoring. On déploie également notre développement commercial au Maroc, mais pour le marché international. Et à côté de ça, on a une cellule web parce qu'on fait de la digitalisation de tous nos process et de notre site internet, de nos réseaux sociaux, etc. Donc, vous voyez, on a une population au sein de l'entreprise qui a une moyenne d'entre 33 et 35 ans et qui a des attentes. Maintenant, comment je vais les recruter? Alors, oui, je peux mettre une belle annonce, je peux passer par un cabinet de recrutement, mais je pense que je serai sous-performant. Donc la première chose à faire, c'est du storytelling, c'est-à-dire qu'il faut raconter une histoire, il faut que l'entreprise, il faut qu'on leur montre qu'on a une histoire. On n'est pas né du jour au lendemain avec la création, avec la volonté de deux actionnaires qui avaient un peu d'argent, qui disaient, allez, on va lancer une boîte et c'est parti, on recrute. Non. Aujourd'hui, je pense que les nouvelles générations sont très attentives à l'impact environnemental de l'entreprise, où elle se situe, qu'est-ce qu'elle fait et dans quel but, dans quel objectif. Parce que le collaborateur, lorsqu'il est chez nous, et nous, c'est un peu notre changement de mindset aussi que j'ai mené depuis 2 ans au sein de l'entreprise, c'est est-ce que ma mission aujourd'hui a du sens? A du sens pour moi, a du sens par rapport à mes convictions personnelles et a du sens par rapport à mon impact sur l'environnement. Ça peut être des arbres, ça peut être un facteur sociétal, religieux, ce que vous voulez. Et là, forcément, il faut qu'on travaille en collaboration avec le marketing, parce qu'il y a du marketing RH. Il faut qu'on travaille en collaboration avec les équipes, parce que le management doit intervenir. Et aussi, et c'est là la nouveauté, on a accéléré, hein, je vous promets, on a mis l'accélérateur depuis à peu près 1 an et demi, 2 ans, sur ce qu'on appelle le onboarding, le bienvenue à bord. Pourquoi? Non pas uniquement pour dire bienvenue à bord, c'est très bien, on est content que tu sois là. Non, pas du tout. C'est pour recueillir les attentes. Je leur dis, la question que je leur pose, c'est qu'est-ce que nous avons, nous, que n'ont pas les autres, et inversement, qu'est-ce qu'ont les autres entreprises que nous n'avons pas? Donc, je vais vraiment au recueil d'informations de ces nouvelles générations parce que je ne maîtrise pas tous les volets, forcément. Et avec ça, bah, écoutez, j'essaie de comprendre et d'ajouter ce qui me manque systématiquement. Et les générations Z, ce que j'ai aimé, c'est qu'elles aiment bien lorsqu'on est réactif. Effectivement, elles sont tolérantes lorsqu'on n'a pas, mais elles apprécient lorsqu'on réagit. Et c'est un peu ce qui est fait à travers ces actions. On y reviendra dans les innovations managériales. Et tout à l'heure, je voudrais simplement, parce que moi j'adore les questions qui sont posées par le public, c'est est-ce un atout d'être une génération Z ou quoi? Oui, forcément, c'est un atout. De toute façon, toutes les générations sont un atout. Mais surtout celle-là, je dirais pourquoi? Parce qu'encore une fois, ce que j'ai remarqué, c'est qu'ils peuvent déployer rapidement des actions. Moi, honnêtement, j'avais détecté il y a à peu près 8-10 ans, il suffit de changer la couleur d'une chaise d'un collaborateur pour qu'il soit perdu toute l'après-midi, le lendemain, il se met en marche. Non, les générations Z, croyez-moi, elles sont hyper réactives. Ok, bon, allez, je vais me déployer là-dessus. Elles captent vite et forcément, derrière, nous, c'est plus facile pour déployer. Mais le revers de la médaille, si on peut appeler ça comme ça, c'est la concentration. Et là, la concentration, ça nécessite deux choses. Déjà, un, de partir de soi, encore une fois, d'être ancré. Je vous donnerai des astuces là-dessus tout à l'heure. Lorsqu'on mène des réunions, c'est fabuleux. Et tout à l'heure, vous parlez d'ouvrages. Écoutez, moi aussi, j'en ai un, je vous montre. C'est la théorie U, c'est de Otto Scharmer. La théorie U, c'est exceptionnel pour les entreprises qui veulent déployer des innovations managériales. Donc, ça, c'est un ouvrage sur le développement managérial. Et je disais, les atouts qu'ont ces générations Z, c'est aussi le fait qu'elles assument leur choix, ça a été dit. Et enfin, que l'environnement pour elles est très important. Et l'environnement, encore une fois, c'est l'environnement sociétal, hein. Ce n'est pas uniquement moins de pollution et plus de poissons dans les eaux. La responsabilité sociale d'entreprise. Voilà, ça c'est un mot qui fait peur hein, pour les générations Z parce que c'est Ah très bon? technique, c'est pas sexy du tout. RSE, enfin, moi ça m'attire pas du tout. Mais lorsqu'on leur dit qu'est-ce qu'il y a derrière ça, le RSE, lorsqu'on enlève
le boîtier, on découvre ce qu'il y a dedans, on dit waouh, c'est génial en fait, c'est exactement ce que je cherchais. Et pour le faire, il ne faut pas que l'entreprise fasse. Il faut qu'elle co-élabore avec les salariés, les collaborateurs, une nouvelle façon de faire, parce que comme le disait tout à l'heure Madame Soudi, c'est que ces générations-là ne vont pas attendre d'avoir dans 30 ans la médaille du salarié. Elles vont certainement partir ou quoi que ce soit. Et l'idée, l'enjeu pour les entreprises, c'est de garder un lien avec ces salariés-là, ces anciens collaborateurs, parce que demain, on sera amené à être en réseau. Demain, nous ferons appel à plus de freelanceurs, parce que le modèle est comme ça. Demain, nous aurons besoin d'un déblocage de situation. Et ce sont ces anciens collaborateurs qui vont tôt ou tard voler de leurs propres ailes, qui vont nous rendre ce service-là. Donc oui, être prêt à dire au revoir, être prêt à dire au revoir à ses collaborateurs, être prêt à dire bonjour au turnover, non voulu, c'est évident, mais être prêt aussi à se dire à bientôt. Voilà, c'est surtout le à bientôt, moi, qui m'intéresse et sur lequel je travaille beaucoup. Est-ce que là, il y a pas une petite contradiction par rapport à cette génération qui cherche du sens, qui sont exigeants par rapport à des questions environnementales, sociales, sociétales, et par rapport à ce que disait Madame Sbehe tout à l'heure, à savoir, et ça c'est la question à Madame Sbehe, à savoir que si cette génération, elle ne sait pas ce qu'il veut. Quand on leur pose la question, qu'est-ce que vous voulez devenir? Et ça, je confirme parce que j'ai eu l'occasion d'enseigner dans les sciences professionnelles et dans la toute première séance, j'ai posé la question, quel est votre projet professionnel dans l'avenir après votre formation? C'est vrai qu'il y en a quelques-uns qui ont déjà des projets pour entreprendre, donc ils ont déjà des projets en tête, mais une bonne partie, ils ne savent pas, ils n'ont aucune idée sur leur projet professionnel. Est-ce que là, il n'y a pas il y a une petite contradiction, si j'ose dire, entre ce que disait Amine concernant cette génération qui aujourd'hui, il est exigeant sur l'aspect environnemental, c'est-à-dire il a conscience de ce qu'il veut et par rapport à ce que vous avez changé, c'est qu'ils n'ont pas de projet professionnel dans le futur. Alors, en fait, je vais réagir sur deux points. Alors, le premier qui a été présenté par M. Amine, concernant effectivement le turnover et l'idée de, on va dire de se faire une raison pour l'entreprise par rapport à ce turnover, c'est à double tranchant. Alors, les études actuelles montrent qu'effectivement, cette nouvelle génération Z, contrairement à la génération Y, est à la recherche d'une stabilité. Elle n'a pas peur du changement, mais elle est à la recherche d'une stabilité. Elle est à la recherche aussi d'un modèle. C'est-à-dire que contrairement à la génération Y, disait « moi, je ne veux surtout pas ressembler à mon père ou à ma mère », et je dis ça en fait en même temps en souriant parce que ça me fait penser à mes propres enfants. Donc, aller vers des métiers qui soient des métiers de prise de risque, dans le sens où voilà, on veut faire de l'entrepreneuriat, on veut… ça me fait sourire, j'entends des jeunes dire monter un empire, être vraiment dans la puissance. La génération Z, eux, en tout cas les études actuelles vont dans ce sens, oui, ils sont dans l'innovation, dans l'accueil de l'innovation. Hein. Ils sont dans aussi la construction parce que par leur comportement, etc., ils participent à davantage d'accélération et de transformation. Et ils recherchent aussi, comme l'a dit Hazel, un cadre de vie, c'est-à-dire de donner du sens. Et c'est formidable parce que, enfin, c'est la première fois que dans les programmes de prépa cette année, le thème est le sens de la vie. Donc c'est révélateur. Quel sens on veut donner à sa vie? C'est-à-dire, en fait, qu'on pose les bonnes questions pour ces jeunes. Et ça, c'est révélateur à la fois des questions qu'ils se posent, parce qu'ils n'ont peut-être pas envie de ressembler à leurs parents et peut-être pas même à leurs grands frères. Vous voyez ? Et donc, ils ont compris effectivement qu'il y a eu pour leurs aînés, hein, ça c'est le deuxième point que je voulais développer, un aspect sur lequel je reviens souvent avec mes études, une espèce de pression. C'est-à-dire que l'avenir va évidemment transformer l'emploi. Depuis toujours, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Voilà,
Après, la machine charbon, vapeur, il y a eu charbon, etc., électrique, et ainsi de suite. C'est rien de... Heureusement, le monde n'est pas statique, il évolue, et la recherche aussi. Mais là, tout à coup, il y a une espèce de nouveau, je dirais, nouvelle injonction qui dit, voilà, tu ne seras pas salarié, le salariat s'est dépassé, tu seras entrepreneur ou auto-entrepreneur, sinon, tu as foiré ta vie. Sinon, tu n'as pas réussi. Et j'ai l'impression qu'il y avait cette espèce d'épée de Damoclès au-dessus de la tête de nos jeunes, et qui formidablement, d'ailleurs, cette leçon, moi, ça me fait marrer en tant qu'enseignante, hein, parce que des fois, je l'entends dire par mes pères, mes collègues, qui eux-mêmes ont choisi la stabilité du fonctionnariat, je veux dire, du salariat. Donc, comme on dit, chacun prêche pour sa paroisse. Exactement. Mais il faut savoir voilà, ce qu'on dit et ce qu'on transmet, parce que c'est assez flippant quand même. Comme l'a dit tout à l'heure Hassan et Jamon, dans ce sens-là, effectivement, cette génération, elle est diversifiée en termes au niveau des attentes. Et pour ça, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, aujourd'hui, juste on spécule, mais on ne sait pas. On attend de voir. Et effectivement, il y en a qui veulent de la stabilité, il y en a qui veulent l'aventure, il y en a qui veulent la prise de risque, il y en a qui veulent le salariat, il y en a qui cherchent à réussir très vite, tout de suite. C'est-à-dire que là, on est plus au niveau socio-psychologique, psychosociologique. Vous voyez ce que je veux dire? Beaucoup plus qu'au niveau et beaucoup plus au niveau de l'individu, de se poser des questions sur des choix individuels et sur des objectifs individuels. Vous voyez? Mais effectivement, les jeunes, en tout cas cette génération Z, hein, c'est une génération qui va nous réserver, je pense, encore beaucoup de surprises. Mais j'aimerais vraiment. Ça, oui, quand je dis j'aimerais, bien sûr, c'est affectif parce que j'ai cette relation affective à mes étudiants et à la jeunesse. On cesse de les culpabiliser par rapport à l'entrepreneuriat. Non, ce n'est pas une obligation. Voilà. C'est tout à votre honneur, c'est tout à votre honneur. Et justement, par rapport, quand on analyse les caractéristiques de cette génération Z, qui est une génération ouverte, qui est une génération, je dirais, qui aime le risque, qui aime être libre, qui aime être indépendante, c'est pratiquement, on constate, c'est des caractéristiques des entrepreneurs. C'est-à-dire ils sont plus en décalage par rapport à un état d'esprit de salariat où il est là, il exécute un certain nombre de process, où il est dans une moule d'organisation dans lequel il doit travailler, que par rapport à un métier où il a du sens, un métier où il peut s'épanouir, et donc ils sont plus, je dirais, plus habiles à être des entrepreneurs que des salariés. Est-ce que vous partagez cette réflexion, Madame Sbihi, ou pas? Alors, moi, je vais vous dire, moi, je me marre parce que j'adore, en fait, j'ai fait énormément de missions de conseil. Hein, et pour l'anecdote, hein, certainement que je ferai appel à ce panel pour peut-être coécrire cet ouvrage, mais jamais j'ai vu autant d'aberrations. Moi-même, je suis fille de fonctionnaire et autour de moi, j'ai des frères qui sont dans l'entreprise, chef d'entreprise ou salarié, etc. Donc, évidemment, on connaît tous quelqu'un qui connaît quelqu'un. Et dans ma mission et dans les différentes missions que j'ai menées, comme je disais, jamais autant je me suis marrée que de voir ce que j'appelle la politique de la chaise vide, mais la vraie politique de la chaise vide. C'est-à-dire qu'il y a, et ça, je l'enseigne à mes étudiants, évidemment, l'entreprise avec ses procédures, ses process, c'est-à-dire toute la formalisation. Mais ce n'est pas ce qui fait l'entreprise. L'entreprise, ce qui l'a fait, c'est l'informel. C'est l'individu, c'est-à-dire ce sont les individus qui construisent leurs propres règles de fonctionnement et l'entreprise, finalement, s'adapte à ce mode de fonctionnement. C'est ça qui est extraordinaire. Donc, bien sûr qu'on croit tout mettre en place, tout contrôler, etc. Mais... Et je me marre de ça avec mes étudiants aussi. Et surtout là, qu'on est en virtuel, c'est normal. Moi, j'ai plein de passagers clandestins dans mes cours et ça me fait marrer parce que je sais, les noms sont affichés, mais pendant ce temps-là, je leur dis, je ne veux surtout pas savoir ce que vous fabriquez. Hein. Vous voyez ? Et c'est ça, en fait, qui change et qui fait que ça doit aussi nous pousser ou nous amener à l'autodérision et à la dérision. Parce que, oui, bien sûr. Il y a ceux qui travaillent, il y a ceux qui travaillent moins, il y a ceux qui s'impliquent plus, et puis voilà, et ça continuera comme ça, je pense. Mais est-ce qu'on peut dire, Madame Sbihi, est-ce que c'est une génération qui est plus dans l'entrepreneuriat ou plus dans le salariat par rapport
aux études par rapport aux études prospectives que vous faites. En tout cas, ce qui se fait actuellement et les dernières études qui ont été faites, notamment au Canada, notamment en France, ce sont des jeunes qui ne savent pas où ils veulent aller, mais ce qu'ils cherchent, c'est la sécurité. Et oui, parce que l'environnement d'aujourd'hui les fait flipper. Et la sécurité, c'est l'entrepreneuriat, c'est le salariat plutôt. C'est le salariat. Ça peut être le salariat dans l'entrepreneuriat, mais ça, c'est formidable. Oui, tout à fait. Mais oui, on le voit au niveau des hubs, au niveau des, comment on appelle ça, des stations, le F, etc., de tout ce qui se fait aujourd'hui. Moi, j'ai des amis à mon fiston qui sont directeurs financiers chez Station F. Je dis, pourtant, c'est l'entrepreneuriat. Tout à fait. Donc, il faut déjà démystifier ce qu'est l'entrepreneuriat. Est-ce que l'entrepreneuriat, c'est celui qui a une idée innovante? Est-ce que c'est celui qui a une idée de génie? Est-ce que c'est celui qui a de l'argent? C'est quoi l'entrepreneur? Déjà, définissons-le. Mais en tout cas, dans la conception actuelle de la sécurité au travail, c'est généralement, on réfléchit au salariat, soit fonctionnaire, soit dans l'entreprise. Évidemment, ça dépend combien on les paye. On est tous en vie et tout le monde n'a pas forcément, et ça je leur explique, sans aucun, je dirais, tabou, tout le monde n'a pas la chance d'avoir ce qu'on appelle des business, de tomber sur des business angels, c'est-à-dire des gens qui veulent investir, mettre des sous dans leur projet, mais vous voyez, on n'a pas encore cette culture au Maroc, si tant est que là, on parle du cas du Maroc. Et justement, Madame Soudi, aujourd'hui, cette génération Z qui demeure, vont chercher la sécurité et vont s'orienter vers le salariat, la problématique qui risque de se poser, on le sait tous, c'est l'intergénérationnel. Donc, ils vont trouver dans l'entreprise la génération X, ils vont trouver également la génération Y. Comment gérer cette relation intergénérationnelle pour que l'intégration et que, comme je disais tout à l'heure, ce cocktail de la génération X, Y, Z puisse avoir de la valeur et créer de la valeur et de la richesse pour l'entreprise et ne pas tomber dans les conflits intergénérationnels et qui va inéluctablement impacter la performance d'entreprise. Donc, effectivement, donc il faut profiter justement des avantages de cette génération pour pouvoir adapter ces modes managériaux au sein de l'entreprise. La première des choses, on a dit que ces personnes, ils aiment l'autonomie, ils aiment la liberté. Et donc, comment c'est traduit à l'intérieur de l'entreprise? C'est agir en projet, les responsabiliser par rapport à des projets et faire du monitoring derrière ou ce qu'on appelle des feedbacks réguliers. Donc, première chose, leur donner de l'autonomie. Deuxième des choses, c'est travailler en équipe, parce qu'aujourd'hui, cette génération-là, elle est connue pour être dans une équipe, dans une communauté, de communiquer entre eux, et donc essayer de créer des équipes pour avoir de bons résultats. Utiliser les outils numériques, puisque cette génération, elle est rompue aux outils numériques. Donc aujourd'hui, on a vu comment, avec la pandémie, on a de plus en plus d'usages facilités de l'outil numérique. En fait, la plus grosse conduite du changement a été faite par la pandémie finalement. Et donc, utiliser les outils numériques avec cette génération-là, mieux capter leur attention avec une communication qui est plus ciblée. On a dit que cette génération, c'est une génération du zapping. Et donc, quand on a une communication qui est claire, qui est ciblée, qui est directement, elle va directement au point essentiel, donc on va avoir plus leur captation. Et aussi, il y a une tendance qui se crée, c'est la tendance du jeu et du challenge. Pourquoi? Parce qu'on a dit que c'est une génération qui aime le challenge. Aujourd'hui, même dans l'enseignement, on est en train de parler de la gamification de l'enseignement, essayer de faire des gaming, des challenges derrière qui puissent les pousser à s'améliorer, à donner le meilleur d'eux. Il est aussi à noter qu'à l'intérieur de l'entreprise, il y a beaucoup de choses qui ont changé, beaucoup d'approches différentes. C'est qu'aujourd'hui, contrairement à avant, l'information est disponible, alors qu'avant, il y avait une réticence à donner l'information. Aujourd'hui, les systèmes d'information sont de plus en plus outillés à faire un knowledge management et d'avoir le même niveau d'information pour tout le monde. La recherche et développement n'est plus une recherche et développement qui est cloisonnée. Elle est ouverte. Aujourd'hui, on parle de co-création avec les clients, avec les collaborateurs, de crowdsourcing, de wikinomie. Tout ça, c'est de l'innovation qui est ouverte.
On a le concept du temps qui est différent, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a dit cette génération, elle est une génération plus ou moins pressée, et donc peut-être agir par objectif plutôt que par un timing qui est restreint, donner des objectifs à atteindre plutôt qu'une présence ou une obligation d'être là rien que pour être là, c'est-à-dire donner du sens à la présence et aussi l'endroit. Aujourd'hui, on a vu que la virtualisation, le fait d'avoir de l'hybride, d'être présent à moitié temps sur le lieu de travail et l'autre moitié chez soi, peut-être que demain, l'endroit du travail ne sera pas forcément l'entreprise 24, 7 jours, 5 jours sur 7. Peut-être que la vision de l'endroit du travail sera une vision différente. Mais Madame Saoudi, ce que vous venez de dire, elle est très intéressant quand on a une population que de la génération Z. Maintenant, ma question, c'est qu'aujourd'hui, dans notre entreprise, on a la génération X. La génération X, il n'est pas autonome. Il attend les directives, il attend les consignes, il respecte les procédures. La génération X, il travaille de façon verticale et pas de façon horizontale. La génération X, et sont moins habiles aux outils numériques, etc. Et donc là, on a un choc culturel entre génération Z et génération X qui se trouvent dans la même entreprise. Comment faire en sorte que ce mariage entre les différentes générations puisse réussir et améliorer et contribuer à la création de la valeur et à la richesse de l'entreprise? Parce que si on fait tout ça, on aura tendance à oublier une génération X qui est quand même le savoir-faire, c'est quand même le know-how de l'entreprise, c'est quand même une génération qui peut-être va partir en retraite dans 10-15 ans. Et donc, il y a un transfert savoir-faire qui est là. Donc, comment, d'après vos recherches, d'après les études que vous faites, comment peut-on concilier entre ces deux modes de génération? Parce qu'on risque d'avoir carrément un clash. En fait, Et quand je... après, je donnerai la parole aussi à Amine parce que pour nous donner des cas concrets, peut-être qu'elle a vécu ce genre de problème. Après, quand je parle de responsabiliser, agir en projet, quand je parle de nouvelles technologies, quand je parle de travailler en équipe, de travailler, ça existe aussi pour la génération X. Maintenant, l'harmonisation va se faire de fait parce que nous ne pouvons pas garder en entreprise une personne qui n'est plus rompue aux nouvelles technologies. L'entreprise aujourd'hui ne peut plus se permettre ça. Ce n'est pas parce qu'on est ancien dans l'entreprise qu'on a une légitimité. C'est parce qu'on a des compétences. Est-ce qu'aujourd'hui, à part les entreprises hiérarchiques, je parle d'entreprises publiques, de bureaucratie, d'administration, etc., est-ce qu'une entreprise qui veut être viable, une entreprise privée, que ce soit petite, que ce soit grande, peut se permettre aujourd'hui de garder des personnes qui n'évoluent pas? Et même ces entreprises publiques qui sont en train de changer aujourd'hui avec la digitalisation, Même avec l'ensemble numérique, etc. l'entreprise publique aujourd'hui, elle est en train de devenir autre chose. Est-ce que demain, l'entreprise va garder des personnes qui n'agissent pas en projet, qui n'ont pas des objectifs à atteindre, qui ne sont pas rompues aux nouvelles technologies? Ça va être plus un poids lourd pour l'entreprise et l'entreprise n'a pas d'émotion. On est dans un environnement compétitif. Donc, soit elle va faire monter en compétences à travers la formation, la conduite du changement, le coaching de certains collaborateurs quand elle voit qu'il y a une possibilité de monter en compétences, soit ces personnes-là, malheureusement, ils se retrouveront petit à petit mis à l'écart parce que justement, ils ne suivent pas cette vague. Aujourd'hui, ce n'est pas l'intérieur de l'entreprise qui dicte, mais l'extérieur de l'entreprise est à la tête le consommateur final. Tout à fait. Et donc, vous l'avez bien dit, donc un travail de coaching, d'accompagnement de cette génération pour pouvoir, je dirais, apprivoiser cette génération Z. Sinon, le problème intergénérationnel va se poser. C'est Amine, votre appréciation et votre commentaire par rapport à ce mixage intergénérationnel dans l'entreprise, comment c'est vécu? Alors, avant de répondre à cette question, je voudrais quand même rebondir sur l'idée du turnover tout à l'heure, parce que je ne voulais pas laisser ça de manière incomplète. Je disais que le turnover, nous, au sein de l'entreprise, c'était quelque chose, notamment dans la cellule ITO, qui est un monde à part. Hein, l'ITO, les développeurs web, croyez-moi, c'est un univers à part. Bien sûr, on ne baisse pas les bras, on va fidéliser les collaborateurs en les mettant sur des projets qui vont eux-mêmes piloter.
avec de la formation aussi, il faut les former pour qu'ils puissent avoir moins de frustration sur des sujets inconnus et qu'ils aient le sentiment d'avoir une meilleure maîtrise sur leur environnement technologique. Après, je voudrais revenir quand même sur ce qui a été dit, notamment sur le lien intergénérationnel. Bon, on va jouer le jeu. On va dire qu'il y a des clashs, il y a des conflits, il y a le bloc Est contre le bloc Ouest. On va jouer le jeu, même si je ne suis pas du tout dans cette optique-là de conflit intergénérationnel. Moi, honnêtement, au sein de l'entreprise, j'ai eu, oui, on va dire des différences, peut-être pas des conflits. Je pense qu'il faut partir de trois choses. Dès lors qu'on a du sens dans ce qu'on fait, dès lors qu'il y a des valeurs réelles, partagées, hein, communes, encore une fois, entre toutes les parties prenantes de l'entreprise, qu'elles aient 55 ans ou 25 ans, qu'elles viennent du Maghreb ou qu'elles viennent d'Asie, peu importe. Si on a un sens dans ce qu'on fait, on a des valeurs et enfin, on a une vision commune de l'entreprise, voilà ce qu'on fait, on a envie d'être le leader ou de le maintenir ou de le rester, etc. Je pense que là, on a fait une grande partie du travail. Parce qu'après, il suffira simplement de mettre en place de bonnes capacités collaboratives, c'est-à-dire comment on va travailler ensemble, est-ce qu'on va parler en anglais, parce qu'il faut aussi parler de ce lien-là culturel et linguistique qui est très fort dans les entreprises, et prendre en considération, et ça a été dit tout à l'heure, je crois, par Madame Mounia, c'est le rôle de l'informel dans une entreprise. On l'avait dit la dernière fois à Kamel, lorsqu'on était sur le DRH de demain. De demain, exact. Il faut savoir que les entreprises au Maroc, peut-être que ceux qui nous écoutent ne le savent pas, sont dominées extra majoritairement par des PME, petites et moyennes entreprises. Tout à fait. Donc, les grands groupes qui sont hyper connus ne représentent moins de 5% des entreprises marocaines. Donc, forcément, l'emploi, il faut aller le chercher dans les PME. Et les PME, donc moi qui suis originaire de ces PME, hein, on est inférieur à 200 collaborateurs, à 150 collaborateurs aujourd'hui chez nous, on a quelque chose de très fort, c'est qu'on a un dirigeant qui évolue dans un univers où les relations affectives dominent. Et ça, c'est important. Bien qu'on ait déployé des procédures, c'est comme ça, ça existe. On a un univers, parce qu'on est une PME, on ne peut pas se permettre d'avoir une personne sur chaque rôle. Nous avons des personnes qui sont polyvalentes. Et donc ça, si vous voulez, ça va encore complexifier davantage le réseau, l'information, l'informel. Et d'ailleurs, je crois que c'est un chercheur Nonaka japonais qui disait que l'informel participe à la transmission des connaissances au sein de l'entreprise parce que c'est un caractère difficilement imitable. Donc, vous voyez, l'informel est très fort dans les entreprises, notamment dans les PME. Et l'entreprise, pour éviter justement ce conflit intergénérationnel, s'il existe, va devoir apprendre constamment de cas concrets. Je vais vous en donner un exemple. Il m'est arrivé d'avoir des personnes un peu plus âgées que d'autres où il se disait, mais attends, je ne comprends pas, je t'avais demandé quelque chose à telle heure et de telle façon, et tu m'envoies quelque chose un peu plus tard et d'une autre façon. Et alors qu'on voyait bien qu'il y avait une personne qui était extrêmement maniaque, si vous voulez, et une autre qui ne l'était pas. Mais pour elle, le job avait été fait. Je vous donne un autre exemple, c'est par exemple sur la forme. Il fallait envoyer un format Excel sur cette forme-là, etc. Mais les résultats étaient là. Mais la personne qui avait demandé ça, encore une fois, qui était un peu plus ancienne, non, exigeait ce format-là, ce format-là. Donc forcément, lorsqu'on intervient, parce qu'il y a une petite gêne qui va s'installer dans le dialogue, on essaie de comprendre et finalement, on se rend compte que ce sont des détails. Pourquoi ? Parce que dès le départ, il fallait clarifier les choses. Et je pense que pour réussir à être bon dans le lien intergénérationnel, au-delà de la communication, c'est de dépasser cette psychorigidité qui est en nous. Honnêtement, il ne faut pas pointer du doigt la génération Z ou Y ou X, peu importe. C'est à nous de se dire, tiens, on a quelque chose à apprendre et il faut bien différencier ce qu'on appelle un problème technique d'un problème adaptatif. Et moi, c'est fondamental au sein de l'entreprise où je suis. D'ailleurs, pour la petite anecdote, j'ai affiché au sein de mon tableau, qui est visible, et au niveau des citations qu'on déploie tout le temps au sein de l'entreprise, quelque chose qui pourra faire sourire nos participants et aussi nos experts, ce sont les quatre accords Toltec, croyez-moi, qui démystifient tout. Pour info, hein, c'est une civilisation qui a vécu en Amérique centrale, Amérique du Nord plutôt, au Mexique, au XIIe siècle de mémoire, et qui disait, tiens, on a quatre accords qui vont permettre une intelligence collective. Et on parle de ça, en fait, hein, intergénérationnel, c'est la vie en commun, la vie collective. Et on se dit, parmi les quatre accords, il y a aussi, ne prend rien de manière personnelle et ne fait aucune supposition. Donc, si on part de ces bases-là, croyez-moi qu'on aura balayé une grande partie des problèmes,
que la personne ait 60 ans ou qu'elle vient de la planète Mars, je vous promets, hein, si on a une vision en commune, on a du sens, si on a des valeurs, on a de quoi être confiant pour l'avenir. Peut-être, c'est Amine, votre entreprise, il est modèle, mais aujourd'hui, la réalité marocaine et ce qu'elle est dans les entreprises, et de par également mon expérience et les discussions que j'ai avec mes pairs, il y a dans certaines organisations un réel conflit intergénérationnel, de par déjà l'histoire, de par également la notion d'autorité et de hiérarchie qui est ancrée dans certaines organisations. Et donc, le DRH, malheureusement, il se trouve confronté à allier ces deux, à attirer les talents, sa génération Y et Z, qui sont pleines de motivation, qui ont plein d'idées. Et aussi, en face, il y a cette génération X, qui est quand même les piliers de l'entreprise, qui a construit l'entreprise, qui a quand même bâti l'entreprise. Auquel cas, j'irai, quelles astuces, quelles démarches, est-ce qu'il faut qu'il travaille sa génération X, et je dirais, comme je disais tout à l'heure, cette génération X pour qu'il puisse apprivoiser sa génération Z et essayer de faire le transfert savoir-faire pour que demain, les choses évoluent comme histoire, ou bien travailler sur la génération Y pour qu'il puisse s'adapter au niveau de la génération X. C'est un vrai débat, et je pense que nos chercheurs peuvent nous éclairer, Madame Sbihi, ou si vous voulez rajouter quelque chose, c'est Amine. Le son, c'est Amine, on ne vous entend pas. D'accord, pardon, c'est mieux, j'imagine. Oui, c'est bon. Ok. Alors, si on a des entreprises qui elles-mêmes ont des difficultés réelles avec des personnes qui détiennent le pouvoir et ne veulent pas le partager, en ayant le sentiment de perdre la légitimité dès lors que des nouvelles générations veulent bousculer les règles en place, je vous dirais, attention, les générations Z ne seront qu'un avertissement, parce que la foudre va frapper, puisque le monde évolue très vite, les entreprises sont dans un monde qui bouge, qui est instable. Je vous donnais un exemple. Pourquoi nous, au sein de MI, on est un peu plus à l'aise avec ces questions-là? Alors, tout n'est pas parfait, je vous promets que je transpire tous les jours. Pourquoi? Parce qu'avant de connaître la crise de la Covid-19, on a connu ce qu'on appelle un fait du prince. C'est quoi? C'est vous avez un gouvernement qui prend une décision qui dit votre business n'existera plus dans 2 ans. Ouf, qu'est-ce qu'on fait? Donc ça, une fois qu'on a vécu ça, après, le reste, c'est pas grave. On est musclé, on est paré pour affronter des crises. Nous, on a vécu une grande crise et le seul moyen de réussir, c'est de connecter tout le monde en disant voilà, ou bien on réussit collectivement ou alors on meurt individuellement. Mais c'est ça le but. Donc, si on a des personnes qui détiennent le pouvoir, ce sont des piliers pour reprendre votre expression. Les piliers, s'ils n'évoluent pas, ils vont s'ensabler, ils vont disparaître. Donc, pour garder encore une fois l'image du pilier et être dans la métaphore. Et en revanche, les générations Z ou autres, si elles arrivent en voulant remettre tout en cause sans comprendre les racines et les valeurs de l'entreprise, elles risquent de bâtir un château de sable. Donc, je pense qu'on peut se rejoindre encore une fois avec du sens, des valeurs et une vision commune. Parce qu'une entreprise a besoin de piliers, mais elle a aussi besoin de hisser des voiles et prendre le vent facilement Développer, et avancer. tout à fait. Madame, professeur Sbehe. Oui, alors, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Monsieur Hassan. Pardonnez-moi, je vous appelle par votre prénom, parce que je ne me rappelle pas le nom de famille. Et Amine, c'est Amine. Amine, pardon, c'est si Pas Hassan. Amine. Bon, je ne sais pas d'où ça vient, mais en tout cas, j'abonde dans ce sens. Et je voudrais rajouter peut-être quelque chose qui va être révélateur, effectivement, mais de façon humoristique, de ce qui va distinguer justement les générations précédentes de la génération Z, c'est que justement ces deux générations sont des générations de gros consommateurs, hein, les Y et les Z. Et ce qui, je pense, va les rapprocher d'une certaine manière, mais ce qui les distingue dans leur façon de consommer, et ça, je l'observe et c'est formidable parce que ça fait partie aussi des valeurs dont parlait Amit, c'est-à-dire que comme ils sont dans le partage, peut-être plus que leurs aînés, hein, ils n'ont pas de mal à acheter des vieux vêtements. Ils n'ont pas de mal à revendre leurs vêtements.
ils n'ont pas de mal à faire, à se faire du fric sur place. Pas beaucoup. Pas autant que leurs aînés qui allaient chercher plutôt, je veux dire la génération allez, X qui allait chercher à retaper des bagnoles pour gagner 100 000 balles dessus. Eux, ils peuvent gagner 10, 15, 20 euros. Ils s'estiment déjà super heureux. Mais ils sont plus dans une logique. Hein. Ça, c'est vraiment une remarque que j'ai pu faire, un constat que j'ai pu faire à mon échelle. Hein. Je n'ai aucune prétention en observant ma fille et ses amis. Ils sont plus dans une logique de, d'épargne. C'est-à-dire de, vraiment d'épargne. Et ils n'ont pas, si vous voulez, par rapport au montant et par rapport à la propriété, ils n'ont pas du tout le même rapport. C'est ça qui peut-être va aider dans le respect des places de chacun dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'il y aura peut-être et sans doute moins de friction entre la génération Y et Z qu'il ne pourra peut-être rien avoir entre la génération X et Z. Et évidemment, la génération X, elle a encore 20 années à tirer avant de tirer sa révérence, n'est-ce pas ? Alors que la génération Y, elle en a encore 35, 40. Vous voyez ? C'est ça qui change la donne. Et donc, c'est cette culture du partage. Voilà. Je pense que de ce fait-là, il y a plus peut-être d'humilité chez la génération Z qu'il y en a chez la génération Y. Mais justement, Mme Sperret, comment vous préparez les étudiants à... à cette nouvelle donne, donc de quoi avec les générations X, la génération Y, dans notre, est-ce que dans le cursus de formation au management, ma question à Madame Sbeher, Madame Soudi, dans le cursus, est-ce que vous préparez également à comprendre aussi cette génération pour que l'intégration en sein de prise puisse se passer en toute douceur, je dirais, l'atterrissage puisse se passer en toute douceur. Alors honnêtement, si je peux me permettre de prendre la parole, en cours on en parle, mais il n'y a pas de meilleure façon d'apprendre que par l'expérience. Or, cette année, nos jeunes générations Z n'ont pas pu réaliser leur stage. En tout cas, ce qu'on fait à distance, ça change vachement les rapports. Et ça rejoint ce que disait tout à l'heure si Amine, c'est que, quid des soft skills, hein, quid de l'attitude, du relationnel de la capacité à entrer en empathie, voilà, et des échanges en fait. Et on est vraiment sur des modèles écran. Mm-hmm. Tout le monde se fait par écran. Madame Soudi. En fait, je reste plutôt positive parce que je me dis que la situation pandémique, elle est éphémère et que peut-être on pourrait ressortir avec des points d'apprentissage pour ces générations qui par la suite ne seront pas blasés ou ne se diront pas tout est facile, mais auront vécu une crise à un moment qui est très critique de leur vie, qui est le moment où ils vont effectuer des stages ou intégrer le monde professionnel. Pour moi, il est très important de parler de certains facteurs de contingence qui vont faire que certaines entreprises vont intégrer des générations Y et des générations Z plus facilement, dont notamment la taille de l'entreprise, le leadership au sein de l'entreprise, la position concurrentielle, parce que si c'est une entreprise en monopole, ça ne sera pas la même chose qu'une entreprise qui est en pleine position, en pleine concurrence dans un océan rouge. La technologie et l'innovativité au sein de l'entreprise, tout ça peuvent être des facteurs de contingence pour intégrer et veiller à ce qu'il y ait un bon onboarding, comme a dit Emile, pour cette génération Z. Maintenant, par rapport à nos étudiants, peut-être que j'ai la chance d'enseigner deux matières qui me tiennent beaucoup à cœur, dont notamment l'entrepreneuriat et l'innovation. Et quand je parle d'entrepreneuriat, ce n'est pas uniquement créer son entreprise, parce que, comme a dit Mounia, c'est aussi être entrepreneur au sein même de l'entreprise, c'est ce qu'on appelle l'intrapreneuriat. Et donc, justement, l'idée, c'est d'ouvrir les possibilités et les horizons pour les étudiants, les pousser à réfléchir au nouveau business model, à une idée qui soit innovante et travailler de bout en bout sur un projet, un business plan
Depuis l'idée jusqu'à l'étude financière, l'étude opérationnelle, l'étude marketing et l'étude par rapport aux clients. Et donc ça permet en fait de dire il y a une bouée de sauvetage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces jeunes-là, quand ils n'arrivent pas à s'intégrer, automatiquement, ils pensent à créer leur entreprise. Ça peut être une très bonne réussite, comme ça peut être un échec, mais en tout cas, il y a de l'apprentissage derrière et il y a une expérience derrière. Aussi, j'enseigne le management de l'innovation. Et dans l'innovation, on parle de tout ce qui est nouveau business model. Aujourd'hui, on n'a pas forcément besoin de beaucoup d'argent pour créer son entreprise et créer une petite affaire virtuelle. Et des fois même en parallèle, des fois même aujourd'hui, on peut donner des idées sur des réseaux et pouvoir avoir une rente derrière. Et donc, on essaie toujours, en fait, dans les cours qu'on donne, d'ouvrir ces possibilités aux étudiants pour qu'ils n'aient pas cette pression, comme a dit Mounia, de je vais réussir ou ça ne va pas être bon. Non, si je ne réussis pas en quelque chose, forcément, je vais essayer d'autres et je vais toujours réessayer jusqu'à trouver mon créneau et pouvoir trouver me créer mes propres possibilités. Voilà. En tout cas, merci. Merci pour ce que vous faites, hein, donc pour donner goût à ces jeunes d'aller vers l'entrepreneuriat, soit l'entrepreneuriat personnel, soit l'entrepreneuriat au sein d'entreprise. Et j'ai envie de poser une question aussi à Amine, sur, il a parlé tout à l'heure de la génération également Sigma, hein, ou Alpha plutôt, Sigma. Celle qui va venir Voilà. Gentil, super. On va parler sans avec après. Exactement. Comment les entreprises aujourd'hui imaginent-elles et anticipent-elles les futures générations, notamment la génération Alpha, pour faire la transition? Alors, je vais tricher un peu, hein. Elle n'imagine rien puisque les personnes qui vont imaginer ça seront à la retraite, donc ils s'en foutent un peu. Mais sinon, honnêtement, on a assez. Je pense qu'aujourd'hui, l'enjeu des entreprises n'est pas de se transformer, mais d'apprendre à se transformer. C'est ça l'enjeu, de manière continuelle, puisqu'on est sur des transformations non plus progressives, mais quasiment exponentielles. Et donc, forcément, dès lors qu'on part de la notion d'exponentielle, c'est-à-dire on change très vite dans toutes les directions, et personne, honnêtement, personne n'avait envisagé facilement que demain, une entreprise avec zéro salarié, quasiment, hein, pour simplifier, allait dominer le secteur de l'hôtellerie ou le secteur des transports, hein, je pense à Uber, ou alors à Airbnb. Donc, on est dans des nouveaux marchés, dans de nouveaux modes, dans de nouveaux business models qui remettent en cause pas mal de savoirs. Et de suppositions. Moi, honnêtement, pour moi, une entreprise, lorsque j'ai démarré ma carrière professionnelle, c'était, on est salarié, on fait quelques années, peut-être pas 30 ans comme nos parents, mais quelques années, ensuite on switch, mais on switch pour une évolution verticale. Alors que là, forcément, depuis qu'on est dans cette bulle, hein, de la gig économie, l'économie à la tâche, on se dit, tiens, ça change vite, on a des générations qui sont interconnectées, qui parlent plusieurs langues, qui ont des facilités à se déplacer, parce que maintenant le passeport est quelque chose de très répandu, qui savent exactement ce qui se fait ailleurs, donc elles seront beaucoup plus exigeantes, notamment pour nos entreprises dans le bassin maghrébin. Donc nous étions à la traîne, on n'a plus ce devoir justement, ils n'auront plus cette patience de subir, entre guillemets, un rapport extrêmement hiérarchique. Ils vont plus pouvoir tolérer le mouchkara, comme on dit ici au Maroc, parce que notamment avec des entreprises, certaines, attention, pas toutes, heureusement, des entreprises familiale où il y a justement des personnes qui sont nommées à des postes importants sans avoir une vraie légitimité, une vraie compétence, mais simplement en ayant le nom de famille qui convient. Donc là, j'ai envie de vous dire, soit l'entreprise, elle avance très vite dans un marché, encore une fois, encore faut-il qu'il soit concurrentiel, parce que sinon les dés sont pipés. Et si l'entreprise avance très vite, elle se dit, tiens, je suis à une génération Z qui évolue comme ça, dans ce sens-là, forcément, elle ne peut pas se dire, demain, on reviendra à une génération X ou Y, c'est impossible. Donc, il faut qu'elle se dise que les choses évoluent très vite, et sa seule façon de survivre, et non pas de deviner ce qui va se passer, ça me semble un pari risqué, mais de se tenir prêt à s'adapter rapidement. Et à l'instar des générations Z, excusez-moi, qui, elles, s'adaptent rapidement, donc je pense qu'il nous faut de l'audace. Il faut que l'entreprise soit à l'image des générations à chaque fois qu'elles reçoivent. Tout le temps, il faut qu'elle soit, et je reprends l'expression qui a été dite, il faut qu'elle soit une entreprise apprenante.
on va peut-être tolérer qu'elle ne sache pas faire tout de suite, mais si elle est hyper réactive, elle pourra s'adapter à n'importe quelle génération si ça correspond encore une fois à sa culture d'entreprise et à ses valeurs. Est-ce que vous confirmez que qu'aujourd'hui, le numérique, l'Internet renforce la position de cette génération dans l'organisation? Alors, tout dépend de ce que vous entendez par le mot renforcer. Position de force. Position de force. Puisqu'ils sont, ils sont nés avec ces outils, l'entreprise est obligée. Vous voyez ce que je veux dire? J'y viens. C'est vrai qu'ils ont plus de facilité, peut-être moins de frustration par rapport aux anciennes générations. Si demain, vous déployez un intranet au sein de l'entreprise qui va vous permettre de proposer de nouvelles idées, de vous faire démarquer par vos managers, peut-être qu'une personne qui vient de découvrir l'informatique, qui à peine maîtrise Word et Outlook, aura du mal, va se sentir frustrée. Mais là, j'ai envie de vous dire, oui, l'avantage est réel. Mais l'employeur doit être extrêmement vigilant par rapport à ça, puisque si on déploie des outils innovants qui sont utilisés uniquement par une marge de la population, un, vous perdez de l'argent, c'est idiot parce que vous sous-exploitez votre outil, et deux, vous allez créer des frustrations que vous allez payer un peu plus tard. Au virage d'après, vous allez voir qu'il y aura quelques glissades. Donc, oui, elles ont un avantage sur le monde numérique, on ne va pas se mentir, mais en revanche, il ne faut pas sous-estimer les générations X ou Y qui ont une capacité de résilience, qui sont très résistants. Si vous voulez, l'image que j'ai, c'est des bûcherons. Hein. Moi, je vois qu'ils ont une capacité à encaisser les coups. Et la vie, c'est ça. Hein. La vie, ce n'est pas uniquement d'en donner, mais d'avoir la capacité d'encaisser les coups et d'avancer, même si on a un genou au sol. Mais est-ce que ça veut dire que la génération Z, c'est une génération zapping, elle est un peu plus fragile que la génération YX? Ah, ça serait prétentieux de ma part de dire ça, parce que je ne voudrais pas me mettre à dos 32% de la population mondiale. Mais je vais quand même dire, je vais oser le risque. Allez, soyons fous aujourd'hui. Je vais simplement dire que j'invite les générations Z à être, dans la mesure du possible, après j'espère cette crise sanitaire, à être confrontés à plus de réalité sociale. Aller dans le terrain, sortir des écrans, ne pas forcément poster des trucs en disant je suis outré par la nappe phréatique qui se réduit dans le monde, mais agir dans le milieu associatif. Voilà, aller dans le terrain parce que la réalité est sur le terrain, elle n'est pas derrière des algorithmes. Vous avez anticipé, c'est Amine, ma dernière question, c'est les recommandations à la génération Z. Et donc, madame Zahi, s'il y a des conseils, des recommandations à la fois à cette génération Z, mais aussi aux employeurs, quelles sont les principales recommandations avant de conclure cette table? Mais exactement, je souscris totalement à ce que vient de vous dire Amine, c'est soyez militant. Voyez. Au-delà d'être entrepreneur, soyez militant. Et c'est comme ça qu'on peut être entrepreneur. Et par rapport aux employés? Oui, par rapport aux employeurs, comme par rapport aux employés, c'est-à-dire que par rapport aux demandeurs d'emploi et par rapport à l'entreprise. L'entreprise militante va attirer des militants. Et être militant ensemble, c'est ça la clé du succès. C'est ça le changement, en fait. Parce qu'on milite effectivement pour un environnement meilleur, on milite pour un meilleur climat social, on milite pour de meilleures conditions de travail, vous voyez, on milite contre le réchauffement climatique. Il y a tant de sujets de militantisme, hein, et ça, on l'a vu dernièrement avec tous les hashtags. Donc, moi, je dirais, c'est hashtag militer, quoi. On était dans le langage des jeunes, c'est vraiment hashtag militer. Et il n'y a pas de cause perdue, hashtag militer. Et ça, c'est formidable. On a vu réellement avec tous les scandales dont les jeunes parlent, c'est-à-dire notre génération, même pas les Y, n'osaient en parler, que ce soit en termes de harcèlement au travail, que ce soit en termes de violence, etc. C'est-à-dire que là, oui, pour ce que disait tout à l'heure Amine, effectivement, c'est pas seulement derrière l'écran, militer sur place. Et ça, c'est formidable parce que nous, à l'ISKE, justement, tous nos étudiants, on les encourage, on les sollicite à travers des associations pour militer. Et ils le font de façon vraiment formidable avec beaucoup de cœur. Et militer, ce n'est pas forcément être sur VVF ou sur des trucs, on va dire, fashion et visibles. Des fois, c'est vraiment au coin de la rue que ça se passe. Et ça, c'est extraordinaire parce qu'ils le font avec du cœur. Et ça, j'y crois. Parce que c'est vrai qu'avec cette génération Z, et je témoigne de ça, ils ont une implication très forte, un engagement très fort par rapport à ça. Alors, ils ont besoin d'aide,
c'est-à-dire l'écoute des entreprises. Et malheureusement, ces entreprises, lorsqu'ils s'adressent à elles, beaucoup ne réagissent pas. Et je pense que, alors, va savoir qui est à la tête de ces entreprises. Est-ce que c'est X, Y, allez, on va dire A, B, C. En tout cas, ils ont très peu de répondants, de réactions de la part de ces entreprises. Et eux ne demandent que ça. En tout cas, ils sont beaucoup plus conscients que leur aîné de la génération et ils en veulent. Et moi, je vraiment... militer. Je les salue pour ça, voilà. Militer pour des causes, aider, soutenir, faites du social, soyez solidaires. Et ça, c'est formidable. Parce que déjà, le contexte actuel s'y prête. Et comme je le disais, ce n'est pas forcément au niveau d'association bling-bling. Non, c'est vraiment au coin de la rue que ça se passe. Et je vous assure qu'ils le font. Avec militer. Militer. Donc, c'est le message. Le message, j'espère que c'est passé, que le message est passé. J'ai pas le temps de développer tout ça, mais j'espère que s'ils nous écoutent, ils pourront en témoigner. Ils ont vraiment monté des centres au niveau d'orphelinat extraordinaires. Des centres de sport, des ateliers de cuisine, avec en faisant appel à des dons et en faisant tout le business plan. Et ça a été génial pour cette association. On n'en parle pas assez. Mais ça, oui, ça, c'est la génération Z. C'est les générations socialement responsables. Ils ne demandent que ça. Ok, voilà. Madame Soudi. Oui, en fait, moi, je pense que militer est très important, mais j'ai aussi un conseil qui, pour moi, il est extrêmement important, c'est de ne pas être des consommateurs passifs. Parce qu'aujourd'hui, cette génération-là, elle reçoit beaucoup d'informations sur les réseaux sociaux, sur Internet, etc. Il faut créer. Il faut créer du contenu, il faut être dans la créativité, il ne faut pas juste consommer et pas consommer n'importe quoi. Donc, essayez d'être dans la créativité, dans l'innovation. Je rêve, je le dis à mes étudiants, je rêve de voir des étudiants qui lancent des licornes au Maroc et qui sont capitalisés à des milliards tels qu'on entend pour les licornes à l'international. En fait, il faut oser, ça part toujours d'une idée. Et aujourd'hui, si on compare rien que WhatsApp par rapport à Renault, vous allez vous rendre compte que Renault elle a plus d'un siècle d'existence, contrairement à WhatsApp, moins d'une décennie, et que finalement, le chiffre d'affaires réalisé par WhatsApp est plus grand et par certains réseaux sociaux. Et donc, je veux que cette génération soit une génération qui ose, qui soit créative, et qu'on ne se dit pas que ce n'est pas possible, puisque c'est une génération qui est ouverte, qui a accès au même niveau d'information comme tous les autres pays. Je rêve d'avoir des étudiants qui lancent des licornes et qui ont des succès à l'international, et d'en être fiers, parce que notre pays en a besoin. Il a besoin de champions nationaux. Voilà. Merci. J'espère que le message est également passé. Un mot de la fin, c'est Amine, Madame Sbehe, et un mot de la fin avant de conclure. C'est Amine. C'était pour vous remercier nos brillantes spécialistes. Vous remercie vous, Kamel, pour votre modération qui a été extrêmement fluide. Et aussi pour finir sur une question que j'ai découvert également dans le bouquin que je vous ai présenté tout à l'heure, la théorie U, qui est la suivante: pourquoi produisons-nous collectivement des résultats qu'individuellement nous ne souhaitons pas? Et c'est un peu ça, et donc je pense que les clés de réponse ont été données à travers le militantisme, l'audace, etc., et la remise en question. Voilà, c'était un sujet passionnant. J'espère qu'on sera là dans quelques années pour parler de la génération alpha. Inch'Allah. En disant, vous voyez que nous avions raison. Merci à vous tous. Merci Amine. Madame Sbehe, un mot de la fin. Écoutez, c'était un plaisir d'échanger avec vous. Et j'espère que nos étudiants qui nous écoutent derrière la plateforme vont, à partir de là, peut-être réfléchir à des questions qu'on pourra partager de nouveau en cours. Et moi, je vais revenir à Michel Serres, qui est mon mentor dans ce sens, et je vais dire « Indignez-vous ». Et ça, c'était un de ses derniers bouquins, enfin, c'est un essai, avant sa disparition. « Indignez-vous ». Et ça, c'est formidable, parce que lorsqu'on s'indigne, c'est qu'on est déjà dans l'action. C'est qu'on est déjà dans
la volonté de faire changer les choses et de les transformer. Et comme a dit tout à l'heure Siani, on est dans le regard de l'autre, c'est-à-dire qu'on voit l'autre. On s'indigne de la pauvreté qui a sous nos yeux. On s'indigne de la violence faite contre les femmes. On s'indigne d'un style de management autocratique. Mais c'est comme ça, c'est par l'indignation qu'on peut aider les jeunes à devenir comme Adinada, en faire des entrepreneurs et des intrapreneurs. Comment peux-tu devenir intrapreneur dans un mode de management qui est totalement autocratique et qui te fait flipper et tu n'as qu'une hâte, c'est de rentrer chez toi. Vous voyez ce que je veux dire? Comment on peut les capturer, les captiver, les retenir si effectivement on ne les écoute, on n'écoute pas leurs indignations? Quand je dis indignez-vous, c'est vraiment au sens utilisé par Michel Serres. C'est-à-dire, intéressez-vous, soyez curieux. Soyez curieux. Et ça, c'est formidable. C'est vraiment le dernier mot que j'ai à partager avec l'ensemble des générations. Merci, et madame. Peut-être l'alpha et l'oméga et tout le reste. Merci, madame Spéré. Donc, indignez-vous et soyez curieux. Madame Soudi. En fait, un dernier mot, je voudrais vous remercier pour cet échange très fructueux, très intéressant. J'espère vraiment que ce type de conférence se répétera plusieurs fois, même vis-à-vis des générations, parce que ça permet de créer les passerelles intergénérationnelles, de se comprendre mutuellement et justement d'en tirer le meilleur de chaque génération pour que les générations futures puissent capitaliser et non pas être sujet à un recul ou un manque justement de conscience par rapport à ce qui a existé avant. Et donc la capitalisation, l'audace, l'ouverture, le militantisme, tout ça, c'est des maîtres mots qui sont très importants pour bâtir une génération forte. Voilà. Je vous ai bien. Merci. Ok. Oui. Donc juste pour conclure, la génération Z a été qualifiée de génération de perles par le philosophe Vincent Cespedes, pour qui la jeunesse d'aujourd'hui est une perle rare qui ne demande qu'à briller. On est tous d'accord. Donc, à travers vos témoignages, à travers vos interventions, je pense que vous avez mis le doigt et vous avez pu démontrer que cette génération est une vraie perle et ne mérite pas. Il ne mérite qu'à d'être brillé, il ne mérite qu'à d'être entendu, écouté, apprivoisé. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, et ça, je m'adresse au DRH, au DRH de la place, c'est qu'il faut peut-être changer le mot directeur des ressources humaines au directeur de richesse humaine, parce que c'est une vraie richesse. D'accord? Et comme disait Jean Badin, il n'y a de richesse qu'au dehors. J'étais extrêmement content d'échanger, de partager avec nos éminents intervenants, si Amine, qui est directeur des ressources humaines de Heimi, j'ai bien dit maintenant, professeur Nada Soudi, qui est docteur en stratégie d'innovation, consultant senior et professeur chercheur à l'ISKE, et mon ami professeur Mounia Sbehi, qui est enseignant chercheur au management du groupe ISKE. Je vous remercie infiniment et j'espère que cet atelier a été fructueux pour nos participants, que ce soit les étudiants, que ce soit les enseignants-chercheurs, que ce soit les entreprises ou les représentants d'entreprises qui sont avec nous. Merci beaucoup et à très bientôt, Inch'Allah, pour discuter de la génération Alpha, Voix, Sigma, etc. Et merci beaucoup et à très bientôt. Merci à vous. Au revoir. À très bientôt, au revoir. Merci.